Mademoiselle Bénédicte Breton, voulez-vous prendre pour époux Monsieur José da Silva ? Oui. Monsieur José da Silva, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Bénédicte Breton ? Oui. Parfait. Je vous déclare officiellement mariée femme. Félicitations. Ouais ! Félicitations, ouais ! Bravo! Pendant qu'on y est, bravo! Léna? Ah ouais! Voilà, je vous présente Léna, c'est ma meuf de plus. Félicitations, Simon! Ouais. Allez, et maintenant, tous chez moi! Ouais! Allez! Tu sais, j'ai l'impression que je t'aime. Oh, c'est vrai, moi aussi, mon bébé, moi aussi. J'espère qu'on va vivre heureux ensemble. Moi aussi. Allez, on va chez ma mère. Ils sont derrière, on y va. Attends. On est bien là, non? Tu crois? Oui. Et tu sais, j'ai envie de te faire. Là, c'est pas possible, j'ai plus le lit chez ma mère. Purin. Oh. Attends de voir cette nuit, ok? D'accord. Bon. On y va, mon bébé. On y va. Ouais, je peux parler s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Non, bah, si c'est à propos de famille, si ça te dérange qu'on soit ensemble, je la quitte tout de suite. Hein. Ah non, non, au contraire, pas du tout. Je suis très heureuse pour vous, au contraire. Je te demande juste de faire attention à elle, c'est tout. Veillez sur elle. Promis, je te le promets. Merci, Christian. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Bon, ça va, toi? J'ai rencontré l'amour, je suis fou amoureux. Ouais, ça va. Bah, je suis contente pour vous. Sinon, moi, j'ai un truc à vous dire. Ah, et ben moi, je vous propose tous d'emménager chez moi. Ah oui, qui ça? Eh bien, Hélène, Peter, Jeanne, Nico, Ivia, Adrien, pareil. Oui, t'as sérieux, Adixia? Exact, Adrien, c'est super. Et si on dit oui? Ben c'est moi qui vous le propose, comme ça on se réunirait tous les matins, comme quand on était plus jeune, la bande d'amis qui se retrouve. Ah oui. Salut tout le monde. Ah, et Mehdi aussi pourrait emménager chez moi. Moi? Avec tous ceux qui sont là, on se propose d'emménager chez moi. Ah oui? Oh oui. Ben c'est d'accord. Avec plaisir. Moi aussi je t'aime. Cette nuit c'était incroyable. On s'est éclaté hier chez Asixa. Oh oui, ça tu peux le dire. On s'est éclaté. On s'est bien amusé, hein. Ah oui. Grave bien amusé. Je t'aime. Je suis trop amoureuse. Je t'aime trop. Moi. Moi aussi. Si on refaisait l'amour,
On a déjà fait toute la nuit, bébé. Bon, t'as raison, on verra ce soir. Oui. Lendemain de noces, on reste avec son amoureux. C'est vrai. Mais j'ai des choses à faire, si tu veux venir avec moi. T'es le bienvenu. Ah oui, des choses à faire. Exact. Eh bien, je vais avec plaisir, je vais avec toi. Je vais te prendre, on y va. Je vais m'habiller. Bisous, bébé. Je suis tellement heureuse. Bon, bah voilà, ils sont mariés, ça c'est fait. Et oui, faudra qu'on y pense, nous aussi, un jour. Un jour, mais pour l'instant, j'ai pas très, très envie, tu vois. C'est vrai. Ah oui. D'accord. Bah, tu t'entends bien. Parce que, bien, moi non plus. Ah! Eh bien, ouais. Bénédicte et José vont arriver là, ils doivent passer. Ah, ils doivent passer! Eh oui! Bah, c'est trop cool alors! Ah, je t'aime, bébé. Oui, en plus, on va emménager chez Adixa, ça c'est super. Eh ben, ouais. C'est ça qui est génial. Je t'aime. Moi aussi. Bon, je dois aller bosser. Tu feras un bisou à Béni et José. Ok, je manquerai pas. Bisous, mon amour. Ça va, Ingrid? Super. Et toi? Alors, ça t'a plu, le mariage hier? C'était super. Moi aussi, j'aimerais bien me marier. Oh, mais avec qui? Avec toi, pourquoi pas? Avec moi? Bien, ouais, pourquoi pas? Ah oui, mais non, moi je veux pas me marier avec toi, t'es mon ami, tu sais. D'accord. Eh bien, ok. Non, t'en veux pas, j'ai compris ça, c'est bon. Mais te vexe pas, Ingrid, enfin. Non, je me vexe pas. Je t'aime, c'est tout. J'ai le droit de t'aimer. Oui, ça, je vais pas t'en empêcher, c'est sûr. Mais... Bon, allez, à plus, Nicolas. Bah, salut. Elle avait pas l'air contente. Et j'oubliais, je t'aime. Salut. Mais reste un peu, moi. Petit café. Non, ça va. Elle a l'air vexée. J'ai parlé avec ta mère. Quoi? Non, mais t'inquiète pas. Elle est très heureuse pour nous. Elle m'a juste dit de veiller sur toi, c'est tout. Quoi? Ma mère? Oui, elle est très heureuse pour nous. Elle a dit qu'elle était très contente de nous. Elle m'a même félicité. Elle m'a dit félicitations pour toi et ma fille. Ma mère t'a dit ça? Oui, mon bébé. Ah. D'accord. Eh bien, écoute. Je sais pas quoi te dire. Hein. Je sais pas. Je ne sais pas. Ah, pas du tout. Ah bien, moi non plus. Bon, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que je t'aime. Et moi aussi, je t'aime. On s'aime, on s'aimera. Je t'aime et je t'aime et je t'aimerai. C'est mal en haut. Oh, oui. Avec ta jolie robe. Oui, tu sais, j'ai remis ça aujourd'hui, je savais pas trop quoi me mettre. Oh. C'est pas grave. On y va. Ça va, mon Sandro? Ouais. Alors, ça t'a plu le mariage hier? C'était génial. Merci de m'avoir rendu, Julien. Tu plaisantes ou quoi? C'est normal, t'es mon meilleur ami. T'es comme un frère pour moi, mon Sandro. C'est vrai, tu le penses vraiment, Julien. Évidemment. En plus, ça fait remis d'un mariage, on doit bosser. Ça, c'est pas juste, hein. Non. Hey, je suis juste passé chercher quelques trucs pour chez moi. On a demandé notre journée. Ah, ben oui. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu viens me voir? Ouais, je suis passé voir si t'étais là. Ok. Et là, j'y vais. Ok, bon, bah, à plus. Bisous, mon sang. Salut, Ju. J'aime ce mec, il me fait marrer. Puis le pauvre, heureusement je l'ai emmené, il était tout seul sinon hier. Ça craignait un peu. Bon,
C'était super hier, ce beau mariage. En plus, les légendes qui s'embrassent, Fanny et Christian qui sont en couple, que rêver de mieux. Simon et Léna, un nouveau couple, une nouvelle fille dans la bande, que rêver de mieux. C'est beau l'amour. Vraiment très beau. Bon. À peine remis de mon mariage, je dois retourner bosser. Eh oui, les chauffeurs de taxi, ça n'arrête pas. Hein. Ah là là. Mais bon. C'est ce qu'il faut dans la vie. Faut bien travailler. Eh ouais. Bon. Alors on y va. Je suis tout émerveillée par le mariage. Oh, j'aimerais. Voilà, maintenant je vais me marier. Bon, ça va. Ma copine arrive bientôt en France. Ben voilà, je fais. On verra ce que le diamant préserve. Tu sais, Théo, ça me fait plaisir que tu sois venu me voir. C'est vrai. Oui. Et je pense même qu'on pourrait se remettre ensemble. C'est vrai? Oui. Oh, c'est génial. Je suis en train d'y réfléchir. Oh, c'est génial. Addiction, c'est super. Je suis trop content pour toi. Je suis hyper content. J'espère qu'on pourra se remettre ensemble, en tout cas. J'espère. Moi aussi, Théo. Mais pour l'instant, j'en sais rien. Je réfléchis. Ouais, t'as raison. Faut réfléchir dans la vie. Les choix, ça importe quelque chose. C'est vrai. Tu me fais un café, s'il te plaît, ou un jus d'orange? Tu veux quoi? Est-ce que t'as du jus d'orange? Oui. Alors, tu peux me servir un jus d'orange? Évidemment. Merci, Adixia. C'était bien hier, hein, le mariage. Oui, c'était super. Oui. Bon, voilà, j'ai fini le lit, je vais aller m'habiller maintenant. Ouais, ben, je descends. Ouais, tu m'attends en bas, mon amour. Oui. C'était trop beau, ce mariage. C'était vraiment magnifique. C'était un mariage magnifique. Oui. Tellement beau que j'en suis restée toute émerveillée. Qu'est-ce que tu racontes, chérie? Oh, tu m'as fait peur. Désolée. Petit bisou pour me faire peur. C'est pas grave. Je te pardonnerai toujours tout. Tu le sais bien. Parce que je t'aime. En plus, t'as vu ton copain, il est en couple. Qui est Christian? Ouais. Avec une de mes copines. C'est vrai. Ah, c'est marrant. Je suis très content pour eux. Même s'il a 18 ans de plus qu'elle. C'est vrai. C'est sûr que tu veux divorcer? Oui. C'est mieux. Oui, t'as raison. Alors, divorçons. T'as raison. C'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Eh oui. Tu sais, quand un couple fait que de se disputer pendant des mois et des mois comme ça, et à un moment donné, vient le divorce. Hein. Il y a une seule solution, c'est le divorce. Hein. Ouais. Je suis d'accord. Salut papa, salut maman. Oh Félix, comment ça va? Salut papa, salut Félix, salut maman. Alors, vous parliez de quoi? Du divorce? Oui. On est désolé, mais on va divorcer. Oh. C'est vrai, ça se tient peut-être de mieux. Ouais, on sait pas. Oui. Coucou les parents, salut Félix. Salut Aya. Vous parliez de quoi? Du divorce. Oh, c'est vrai que vous allez divorcer, mais pourquoi? Vous êtes tellement bien ensemble. Parce qu'on fait que se disputer depuis des mois. Oh. Nul. Tu sais, j'ai eu mon père au téléphone. Ton père? Oui. Et il nous propose d'emménager chez lui. Quoi? Ton père emménage chez lui? Oui. Il va vivre avec la nuit et il veut pas se retrouver toute seule avec elle. Il aimerait bien qu'on l'emménage chez lui. Après tout.
Attends, mais je le connais à peine, mais t'es sûr? Oui, appelle-le, tu verras. Attends, mais je le connais à peine, j'ai vu 3 fois. Oui. Il a l'air de bien t'aimer. Ton père? Ah oui. Mais c'est pas possible. Si, c'est possible, Christian. Mais non. Je rêve? Non, il veut qu'on l'emménage chez lui. Quoi? Salut les filles. Salut. Ça va? Ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour Rémi. Comment tu vas mon bébé? Ça va. Vas-y, ça je peux te parler? Ouais, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Seule, seule. Ok. Tu sais, je ressens de moins en moins le manque de Sandra. Ah bah c'est super ça. Oui. Elle m'avait envoyé un message il y a quelques semaines en me disant qu'elle pensait fort à moi. Quoi? Tu es là encore? Oui, regarde. On est bien à la maison? Oui, très bien. Chez Aditya, c'est grand, c'est... Oui, c'est vrai. Ça va avec les deux? Ça va, on s'est mariés il y a quelques semaines. Ça va, super. Ben cool alors. Oui, j'ai un mec, si tu veux tout savoir. Oh, c'est qui, c'est qui? Ça se regarde pas, j'ai pas envie de te voir. Ok, ben, t'es majeur, t'es grand. Avec les mains, ça va. Ça va. Tu vois, on a bien fait d'emménager chez mon père. C'est grand, c'est bien. Oui, c'est très bien. C'est toujours bien chez John. Est-ce aujourd'hui ou bien demain? Pour une vie, on se prendra par la main.